Jour 4, direction Las Cruces. Nous quittons Roswell pour entreprendre une route passant par une chaîne de montagnes, puis le désert aux White Sands, pour enfin aboutir sur une ville non loin de la frontière mexicaine se nommant Las Cruces. Ah, c'était bien ça. With a piece in my hand and bloodshot eyes, I walk to the water for a last goodbye. He begged so much, it clouded my mind. One thing's clear, the man's gotta die. Man makes right, so he said, when he held all the keys over our head, I lived. Alors là, on est à Alamogordo, on est à peu près une trentaine de kilomètres des White Sands. On va y aller, on va faire des petits plans en drone, ça va être sympathique tout ça. Black grip, but now he'll learn at the end with the tables turned. Lord, forgive me. Take me. Je suis très chaud. On est ici dans les White Sands, un désert blanc à perte de vue. Quelques kilomètres d'ici se situe une base. J'ai soufflé parce que je viens de tout là-bas. Vous l'avez vu en fait quand je suis arrivé. Et c'est très loin, on dirait pas, mais là il y a facilement 300 mètres. C'est sur cette base qu'atterrissait la navette spatiale. La navette spatiale, donc on peut dire que c'est assez stylé, il me semble. Sur ce, c'est parti, on continue, direction Las Cruces. Bah Las Cruces c'est plutôt sympa, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'activité. Là en fait on est sur une des places plutôt sympathiques, mais malgré cela il n'y a point beaucoup d'animation. Direction Lordsburg, une ville située à peu près 1h30 de route de Las Cruces. Sauf que nous allons voir des grottes troglodytes, donc nous faisons un petit détour de 300 km. Donc c'est parti, et ça a intérêt à être stylé. Alors, nous sommes arrivés sur ce petit chemin de randonnée. Il y a un gardien qui vient de nous dire que ça faisait 1 mile, donc 1,6 km. Donc on va entreprendre cette petite randonnée à travers petit canyon comme celui-ci. Mais vraiment, il est petit celui-là. Donc c'est parti, nous allons voir les grottes de Gila. The Gila Cave, in English. And ready go for the rando. Ok, bah alors c'était sympa cette petite grotte, assez impressionnant quand même. Donc là on continue la petite randonnée.
Et donc on redescend pour ensuite reprendre la route direction Lörsberg. C'est parti. Bon bah alors on redescend. Il y a encore tout ça à parcourir. Je sais pas ce que donne le plan, mais à mon avis ça peut être plutôt pas mal. Alors on vient de quitter les grottes de Gila, direction Lörsberg, donc on a 1h53 de route pour 119 km. Information très importante pour la suite de ce vlog. C'est parti! D'arriver à Lörsberg. À poste, il n'y avait pas grand chose, mais là, il y a encore moins de choses. On galère même à trouver un restaurant. Alors, nous venons demander à un habitant local où nous pouvions boire quelque chose, qu'elle nous a indiqué un seul endroit, qui est le Maverick Room, comme dans Top Gun. Peut-être un signe. En revanche, pour conclure son discours d'environ 5 minutes, elle a terminé par « Be careful ». Autrement dit, faites attention. Nous n'allons pas là. À demain, parce que là, franchement, il n'y a rien à faire. Hein. Aujourd'hui, direction Tankeverde, donc c'est une petite ville située à côté de Tucson. On va très très rapidement de cette ville, en fait, c'est levé assez tôt pour partir pour 8h. Parce que le truc, c'est qu'en fait, Lörsberg est une ville fantôme. Donc ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien, en fait. Il y avait plein de choses en 1960, sauf qu'en 2019, il n'y a plus rien. Bon alors, j'ai pas beaucoup de plans de drone, du coup on va sortir le Mavic, donc on va pouvoir faire des petits plans sympathiques, c'est parti! Queen of art, Friday morning. Queen of art, Friday morning. Salut, donc on est arrivé au ranch de Tankeverde. Le ranch, il est à peu près à 15 km à vol d'oiseau. Là, on est dans le parc national des cactus géants. Je me souviens plus du nom, mais je crois en français, ça avait été traduit comme ça, donc c'est plutôt cool. Il y a des cactus géants parce que là, en fait, c'est pas un plan rapproché de cactus. Là, pareil, il est facilement dizaines de mètres du cactus. J'ai même pas réussi à le cadrer en grand. Bah, par rapport à moi, je suis même pas au un tiers. Donc, il fait facilement 7-8 mètres de haut. Donc là, vu qu'il est 4h30, on va se diriger vers la sortie du parc parce qu'on a jusqu'à 17h. Et ensuite, bah, on va profiter du beau temps pour faire des plans de coupe type B-roll pour agrémenter cette petite vidéo road trip. C'est parti! Queen of Arden,